Yahoo Dimancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo ouverture de figurines. Donc si la suite t'intéresse, continue. Donc au niveau du carton, voilà à quoi il ressemble au niveau de la taille. C'était assez gros, mais en même temps c'est une figurine et c'est une figurine Vocaloid. Donc je te montre aussi l'état du colis pour que tu puisses voir dans quel état je l'ai reçu. Et je t'explique même pas comment c'était quand j'ai reçu le haut, parce que en fait, je sais pas si tu verras très très bien, mais tu vois, il a aussi été défoncé sur le dessus. Donc j'ai été très content. Pareil, là, le petit truc déchiré, c'est pas moi. Donc j'ai su apprécier que mon colis ait été aussi bien mené. Mais bon, on est en période de décembre, j'aurais pas dû commander, mais Black Friday oblige. Donc voilà. Et donc c'est une figurine, comme tu as pu le voir, de toute façon je crois que je l'avais plus ou moins annoncé sur Instagram. Donc voilà. Et par contre là aussi la boîte a été un petit peu abîmée du coup par le trajet. Tu vois. On voit d'ailleurs la pliure là. Donc voilà, toujours est-il, une nouvelle figurine Vocaloid avec Hatsune Miku. Juste, j'ai craqué parce qu'elle était en Black Friday sur le site Shibi Akihabara. Alors, je ne commande plus sur Shibi Akihabara depuis une éternité et j'ai des raisons là-dessus. Dû à leur comportement envers leur clients. Et de toute façon, j'ai eu à l'époque, à ce moment-là, plein de retours d'abonnés qui m'avaient dit qu'ils avaient eu des soucis et tout ça avec eux. Donc ça m'avait refroidi à l'achat. Mais là, Black Friday, une figurine qui était dans ma wishlist Vocaloid, j'ai craqué. En plus, elle était pas très chère, elle était à moitié prix. Donc voilà, mais sinon, sache que je rachèterai prochainement et pas souvent chez eux, quoi. C'est pour ça que tu ne les vois plus. Par contre, il y a un autre site, tu les vois plus, tout simplement parce que leur site est en reconstruction depuis des mois et que voilà. Donc j'ai oublié de te montrer comme il faut la boîte. Voilà à quoi ressemble la boîte. J'adore l'illustration comme ça en zoomé. Ah, j'avais pas vu ça. Oh, c'est trop mignon. Et là, j'avais pas vu non plus, mais il y a une poignée pour attraper, mais bon. Oh, elle est directe. Il y a juste à mettre le socle. Oh, ça, je kiffe quand il y a ça. Oh, mon Dieu, si je pouvais savoir à l'avance quand j'achète une figurine, franchement, ça, ce serait le top, par contre. C'est certaines figurines, selon la construction, comme celle de Noël. Honnêtement, celle de Noël, je ne l'aurais pas achetée. Celle avec ses couettes là, qui est chiante et qui est en l'air. Là. Voilà, il y avait une protection devant, une sorte de ceinture. J'ai réussi à l'enlever sans enlever la ceinture, donc c'est pas plus mal. Oh, c'est trop mignon, il y a marqué Hatsune Miku sur la bouée. Regarde. Ah. Je crois. Attends. Non ah, tsu. Ah si, oui, c'est que toi tu vois, je pense, à l'envers où moi je vois Hatsune Miku, oui c'est ça. Non, c'est que moi je vois à l'envers et donc du coup je savais plus du tout ce que je lisais. Hop là, alors il y a juste un emballage autour d'elle et de ses cheveux, donc c'est ça qu'il faut faire juste attention. C'est bien, c'est que les cheveux restent souples, donc on peut facilement quand même en lui enlever le plastique. Voilà. Et donc voilà à quoi ressemble la figurine. Elle est juste trop trop belle et trop mignonne. Alors je crois que celle... Oui c'est ça. Celle-là elle existe avec une autre bouée d'une autre couleur qui est jaune et une tenue différente. Mais l'autre je la trouve horriblement moche. Je suis désolée pour ceux qui aiment. Mais moi je n'aime absolument pas. Donc j'ai préféré avoir celle-ci. Et de toute façon je crois que l'autre je ne l'avais pas vue sur le site et tant mieux. De toute façon je n'aurais pas acheté. Ça c'est clair et net. Hop. Ah il n'y a qu'un pied qu'on socle. Ok. Voilà.
Eh ben, impeccable. Regarde-moi ça. Ah, là, le pied, il tient pas forcément très très bien. Regarde-moi ça comme c'est beau. Donc voilà, je suis juste trop contente parce qu'elle est trop trop belle. Bah voilà, c'est tout. Donc je t'invite bien entendu à continuer la vidéo pour avoir le rendu de la figurine tournée et en zoom, etc. La vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en like, en commenter, pourquoi pas partager la vidéo à des fans de Vocaloid. Et je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure, n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye !